Salut tout le monde, c'est Azrod. On se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode d'Assassin's Creed. Donc ouais, ça file quand même, hein, ça... Déjà 20, bordel. Ça avance vite et pourtant, truc que j'ai remarqué tout à l'heure, parce que j'enchaîne pareil les épisodes, j'ai remarqué ça. C'est que, option, hop, stats, on est qu'à 40% du 100%. Voyez? Et j'ai déjà passé 11h18 minutes sur le jeu. Et j'étais tout le temps en train de jouer. Franchement, on n'a pas fini. Mais bon, tant mieux. Donc, on va quand même essayer d'avancer un peu plus vite. Parce que c'est vrai, au début de l'aventure, je papillonnais beaucoup pour un rien. Donc, là, je vous dis, on m'a appuyé. On va dire faire la fameuse mission que je vous avais laissée en suspense. Parce que, franchement, ouais. J'ai de bons souvenirs de cette mission. Elle était pas mal classe et franchement pour l'époque tu fais... Ah ouais. Non, non. Hop là. Eux à chaque fois faut les plaquer parce qu'ils te donnent masse thune. Je sais plus exactement ce qu'ils sont eux à mon avis. Enfin, si je me souviens bien. C'est des gars qui nous ont volé donc en fait tu peux... Faut juste les fouiller. Et tu récupères ta thune. Ta thune au final qui t'a pas fait. Bref, c'est un peu bizarre. Moi, si vous savez, vous pouvez me dire parce que j'en ai pillé des gars comme ça, mais je sais toujours pas pourquoi je les ai pillés. Juste pour le plaisir. Moi, ça me suffit. Parce que j'aime l'argent. J'ai besoin de toi, Si, Léonard. si, ouais, c'est si, chez Elle Ransom. fonctionne? Quoi? Eh, nickel. Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo? Est-ce qu'elle peut nous faire voler? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Bah moi aussi. Et c'est ça la mission. Eh ouais. Voilà pourquoi. Tu as déjà observé On va essayer la toute première machine volante, celle de Leonardo de Vinci. Ouais, Leonardo de Vinci. Leonardo de Vinci, pourquoi je veux dire Leonardo? Bordel. Par contre, d'après mes souvenirs, ils sont... Enfin, c'est assez difficile à contrôler. Ok, c'est parti. Tout cela est ridicule. Le palais. Là, c'est juste un test. Hein. Au diable, j'abandonne. Si je continue, je serai mort voilà, avant de pouvoir tuer donc le moindre ça. sanglier. Bon, bah je me suis pris un mur. Tu as volé, Ezio. Tu as volé. Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce Mais que c'était tu obligé de perdre t'attendais? en fait. Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Ce que vous avez entendu, il Je ne vais peut pas essayer faire de là, voir c'est... mes hommes. Je trouverai peut-être un moyen On d'allonger peut la pas faire la période. distance. Ezio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce pezzo di merda. Hey, la machine n'y est pour rien. C'est ma faute. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah, c'était pas... Je ne sais pas comment voler plus longtemps. Ah, oh, quelle idée insensée. Eureka! Mais bien sûr. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec la chaud sous les ailes, la machine montera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, est-ce? Et voilà. Une dizaine. Allumé dans toute la ville. Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais ducal. Comment? Oh, Capisco. Les hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes. Ils vont te suivre et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Ouais, je vais me battre, hein.
Donc voilà, c'est parti. Occupez-vous des gars pour entrer. Ok, ouais. Donc on a juste à sécuriser, ouais. C'est les quelques gardes qui traînent. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Par contre, ah oui, c'est vrai, ça va. Hop là. Ouf. Oh, ça doit faire mal. Hop là. Putain, la vache, mais les chutes qu'ils font. Ah oui, il y en a encore là, des gros. Ah bordel. Oh bordel. La vieille technique de les pousser dans la fosse, ça marche toujours ça. Étant donné qu'ils savent pas nager. Allez. Non, j'ai juste à attendre que vous m'attaquiez et que vous n'arriviez pas à parler dessus. Par contre, c'est le gros là qui va m'embêter. Il est quand même vastement balèze. Voilà. Voyez un peu. Je sais vraiment pas comment les balles. Ah si, quand même. Hyper d'armes en vrai. La rigueur, j'ai tenté un truc. C'est la dague. Ça fait longtemps. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus rapide. Ah là, tiens. Ça marche beaucoup mieux. Voilà, taille de l'attaque. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Bon. Oh bordel, mais ils sont loin. Bon, allez. Voilà. Ouais, bah, franchement, en plus, je pense que... Bah, tout l'épisode, on va préparer la mission. Et pile au moment où on va se quitter, bah, enfin, juste avant qu'on se quitte, il y aura la fameuse mission d'infiltration, nickel et tout. Franchement, je pense que ça va être très très bien. Je descends si je veux descendre. Bon, je veux descendre. Je t'ai dit, je veux descendre. Ouf. Bon. Le problème c'est que c'est quand même extrêmement loin, extrêmement chiant à faire. Éliminer des gardes comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Mais vous voyez, hein, je râle pas et pourtant, j'ai toujours à travers de la... j'ai pas pu finir la vérité là. Putain quand même. Merde. Oh c'est les gardes. Ah la rigueur, ce que je peux faire... Hop, viens avec moi. Parce qu'il pourrait m'être utile quand même, ils savent se battre. Ah, c'est juste ça. Bon, d'accord. Ouais, des dégâts comme ça, ça pourrait m'aider à les tuer plus vite parce que putain. Sinon, je vais passer trop longtemps avec tout. Ils sont les gars là. Et merde. Non mais... Crrr, bordel, laissez-moi monter. Bien, vous voyez. Plus, hop, le petit coffre gratuit. Dans les coffres à Venise, on gagne vachement d'argent. C'est pour ça que c'est intéressant. Franchement, si j'ai besoin d'argent, il faudrait que je l'efface ces coffres. Oh, je suis tout le monde là de toute façon. Je tue tout le monde, j'ai envie. Voilà. Oh putain, les gardes. Bon, la dague. Franchement, ouais, je devrais peut-être l'utiliser un peu plus la dague parce qu'elle est vachement balèze. Oh putain, il y en a deux en plus.
J'essaie d'attaquer les gars dans le dos aussi. Comme ça, ça aide mes potes. Et du coup, après, ils peuvent venir m'aider à gérer les gros, gros. Putain, il m'est cher. Hop, là. Merde. Ah, bordel, c'est la bourse, ça. Ah, j'en ai plus qu'une. C'est un peu la merde, ça, par contre. Hop là. Voilà, au moins les deux gros sont neutralisés. Bon, maintenant, tu es celui-là. Allez. Et voilà. Ouf. Putain, c'est long. J'aime pas ces missions comme ça où tu dois nettoyer. Franchement, à choisir entre les missions comme ça, je préfère la mission de Far Cry. Moi. Far Cry, vous voyez, c'est beaucoup plus... bah, du full bordel. Par exemple, dans les missions de la semaine dernière, avec... bah, fallait cramer la drogue et tout ça, avec la petite musique. C'est sympa ça, franchement j'ai adoré cette mission. En gros, bah tu fais pas n'importe quoi, mais tu fous le bordel et tu réussis en même temps ta mission. C'est sympa. Ah d'accord, c'est des enchères. C'est compliqué. Alors je vais hop, sélectionne les couteaux. Hop. Ok. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. C'était pas trop compliqué ça. Bon ben faut rentrer, c'est tout. Ça va pas, tu vois. Oh ta gueule. C'est non, quick. Ouais. Bah j'en suis là, moi j'ai beaucoup tué là, dans ce respect. Encore plus sur Far Cry. Je sais, je parle beaucoup de Far Cry, mais franchement j'aime bien cette licence, j'adore. Assassin's Creed, j'aime bien, mais... pas un autre style en fait. C'est plus dans les Assassin's Creed 3 et 4. 3, 4, 5 en fait. Et le 6, j'ai pas encore testé. Mais voilà que ça... Les missions commencent pas à être intéressantes, mais les missions commencent à être vraiment fun. Enfin, fun, t'as beaucoup plus de diversité et tout ça. En même temps, ce jeu est plus vieux, hein. faut le dire ce qu'il est. Bon, lâchez-moi parce que je voudrais bien voir. Voilà. Merci, au revoir, monsieur. Ah, d'accord, je comprends pourquoi ils m'ont repéré. Mon indice de recherche est beaucoup très élevé. C'est très français ce que je dis, mais ils m'ont balayé. Bon allez, vous mâchez. Merci. Hop là. Ça passe. Putain, c'est encore loin ou pas? C'est aussi les déplacements que j'aime bien dans Assassin's Creed qui m'a fait tomber fan de cette licence parce que bah c'est quand même vachement classe de sauter de toi en toi et tout. Reste sous l'eau là, on se cache. C'est con qu'on puisse pas aller vite quand on va sous l'eau. Tu as réussi. C'est magnifique. Voilà, oui. Bon. Espérons que voilà par contre, hein. Bah mec. On va prendre un peu de vue au fait parce que pas terrible. Chaque fois que tu en survoleras un, la chaleur te... C'est qu'ils nous ont quand même pas mal amoché les gros. Je sais pas vraiment s'il y a une technique pour les tuer. Évite leurs flèches. Là, ils sont quand même vachement balèzes. Il ira pas loin. Si je pouvais me servir de mon bon épée, bordel, là. On arrive bientôt. Eh bien, il te reste tes pieds. Si tu peux te rapprocher des gardes, une flèche, tu arriveras. Aussitôt, c'est fait. Bon, ça doit être sur les tops, par contre, je présume. Allez. Ah là là, ça peut jamais aller bien, tout de suite, nickel. Voilà. Nickel. Ma cosa, un démon volant. Tire, tire.
Ouais, bah. Parce que ouais, et c'est pas le fait de diriger qui est très compliqué, enfin c'est un peu... C'est pas très très facile, mais bon. Le plus dur, c'est surtout d'éviter ces putains de flèches, parce que... Les snipers, toi, à l'époque... Ouais, c'est vrai, ils étaient quoi à cette époque aussi? Putain, remonte. En plus, c'est des flèches enflammées parce que sinon, c'est pas drôle. Je m'en vais vers où, là? Normalement, il y a un feu par là. Ouais. Oh, putain, je tombe. Putain, vite, un feu, un feu, un feu, un feu, un feu. Un feu, vite. Oula, oulala. Il n'y a pas de feu là. Il n'y a pas de feu, putain. Ah putain, en v'là. Faut que j'arrive à le prendre. Allez, 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 allez. Et merde. Putain, ça s'est joué à pas grand chose. Bon, je les voyais plus sur ma carte. À la rigueur, ce que je devrais faire, c'est switcher entre la carte et bah, justement pour mettre un marqueur. Comme ça, au moins, ça me dit dans combien de temps j'arrive. Enfin, dans à combien de pages je suis. Ah, ça c'est compliqué quand même. Hein. Bon, allez. Ce coup-ci, c'est la bonne. Franchement, j'en ai fait des cons. Hein, mais vous, hein, vous êtes vraiment des cons. Bon, allez. Les flèches, elles sont pas passées loin. Hein. Vite un feu, il y a un feu vite. Là-bas. Un démon volant. Tire, tire. Ça sent que tu m'as touché. Je suis trop bas, j'arriverai pas à le vendre. Et voilà. Ah bordel. À chaque fois c'est vrai, c'est vraiment un problème. À chaque fois je fous plus les feux. À la rigueur là, je vais regarder s'ils sont marqués sur la carte. Alors, ta gueule. Oui, ils sont marqués sur la carte. Ouais, je dois quand même aller à l'autre bout de la ville. Hein. Ouais, à chaque fois, c'est là. Le passage, j'ai plus de feu. La rigueur, je peux passer par là, justement. Hop. Ça devrait être niqué. Ok. Putain, tchut. Allez, feu. Qu'est-ce que c'était? Rien du tout. Des enfants qui jouent avec des feux d'artifice. Allez, 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 allez. Venez. Hop là. C'est à vous. En plus, là, je les vois, les feux, ici.
Bon là je suis plus très loin du palais. Normalement là je peux y arriver. Hop, putain. J'essaye en même temps d'esquiver les flèches, mais il y en a vraiment beaucoup. Allez, nickel. Là franchement si je réussis pas. Mais merde, je me suis pris une flèche. Bon bah désolé pour ta machine, Yonard. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui m'a empoisonné. C'est pour ça. Bon. Introduisez-vous là-bas. Bon, d'accord, ça va être compliqué encore. Faut que je fasse le tour, bien sûr, il y a plein de gardes. Là, s'il te plaît. Eh merde. Il n'y a que lui qui m'a vu, je l'ai tué aussitôt là. Faut que j'aille doucement. Doucement mais sûrement. A la rigueur ce que je peux utiliser c'est les couteaux de lancer. J'aurais dû recharger, merde. Si j'utilise les couteaux de lancer, ça devrait passer. Mode. Faut juste que ça tue. Il me reste combien? 6. C'est pas beaucoup. D'accord. Rien que le fait de lancer le petit bruit qui lui... Ça... Oui, c'est un truc que j'ai fait, mais c'est pas grave. Rien que le petit bruit, apparemment, c'est pas bon. Je vais essayer de passer sans les tuer, là, gars. Enfin, j'essaie un dernier coup de les tuer par derrière sans qu'il me... Sans qu'il me détecte. En mode comme ça. Ouais non ça passe comme ça en fait. Parce qu'à un moment je serai bloqué. Le mec il a vu son pote en train de s'éclater par terre. Oh hop 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 hop. Vas-y, viens, viens, viens. Putain. Bordel, je galère pour une mission qui est toute simple. Enfin, je pense pas qu'elle soit compliquée, c'est juste qu'il faut que je trouve la façon. J'ai pas quelque chose. Le bon fumigène, ils vont ajouter quelque chose, ils vont me repérer. Ouais, non. Faut juste que je sois méga discret. Ta gueule. Bon, hop. Toi, t'es mort. Personne n'a rien vu. Même ton pote lui il s'en bat les couilles donc voilà. Bon allez par derrière. Là maintenant. Vas-y. Hop là. Le doge est mort. Ok il est bon. Carlo, je suis désolé, signore. Vous auriez dû m'écouter. Là ailleurs je pourrais te tenter voilà. D'abord. Je crains que tu n'aies pas le choix. Te risque. Putain, pardon, vous voyez, c'est super sensible. Pourquoi? Je ne comprends pas. Là. Assassino! Il a tué le doge. Et... Hop là. Ok. Il y en a encore. Il n'y en a plus. A plus de garde. Bon, bah tant mieux. Assassin conduit un autre, n'est-ce pas? La rigueur. N'est-ce pas? Mais c'est... Hop là, non. Et si c'est... Sacrifice, c'est uniquement pour le bien de mes voilà, soldats. Hop. Oh, oh j'ai trop merdé. Personne m'a vu. Tu m'as tué. What? Tu m'as tué. Putain, c'est où? Ah, c'est là. Ouh. Bordel, je sais pas comment j'ai fait pour qu'il me détecte pas. J'en suis sûr. Dommage. La lecture de ta... Ah oui. Oh t'as le jet. Alors toi, ouais, je vais te tuer, ça me dérange pas du tout. Ok. Ninja. Voilà.
Au moins, toi aussi, tu es mort. Ok, bon. Ouais. Ah ouais, du coup, il croit que c'est moi qui l'ai tué. Ah, bordel. Bon, hop. Excusez-moi. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, je suis une gondole. Enfin, je connais se récupérer, ça c'est bien. Ah, séquence 8 terminée. Ah, franchement, on avance pas mal là dans les séquences en ce moment. Pas mal, pas mal. Oh, beaucoup de valeur en plus. Bon, 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 bon. Ouais, franchement, on avance beaucoup dans Assassin's Creed là, ça me plaît bien comme ça. Ouais, du coup, il croit que c'est moi qui ai assassiné Dutch. On est toujours à Venise. Ok, bon. Bah, on va s'arrêter là parce que pareil, l'épisode commence à faire une bonne petite longueur. Donc, bah, j'espère qu'il vous aura plu, que ce petit tour en gondole vous aura plu quand même. Parce que je trouve qu'elle était pas mal cette mission. Oh putain, 30 minutes dans le coffre, bordel de merde. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. Allez, bye tout le monde.